Eh bien, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui. Il est 5h45 du matin. Un petit peu en retard, je sais pas, je m'en fous. On va aller sur un vide-grenier. Estimation 100 à 200 exposants. Réellement, il doit en avoir 30. Parce qu'en fait, à chaque fois dans un vide-grenier, il y en a toujours 30. Donc pourquoi il marque 100 à 200 alors qu'il n'y en a peut-être que 30? Pour gonfler l'estimation de ma collection, ça vous vend du rêve? Pour gonfler l'estimation... Non, putain, arrête! Oh! Voilà! Pour gonfler l'estimation des exposants, pour que les gens viennent. Donc bref, on y va, on va voir un peu ce que ça donne. Et puis voilà, et puis si on fait un fail, bah on se fait un fail. Non, si on fait un fail, bah on ira sur... Oh putain, j'ai failli me taper la bordure. Si on fait un fail, bah on ira sur un autre vide-grenier, tout simplement. C'est ce que je me disais réellement, voilà, comme d'habitude, 3 exposants et demi, quoi. Bon, y'a personne, allez hop, on s'arrache. Mais de toute façon, ça commence bien, ces vide-greniers. Moi, je te dis, ça commence bien. Là, on peut pas stationner. Bah, je vais me garer là. Il y a le monsieur qui veut se garer là. Bah, mais je vais me garer avec lui. Tu fais quoi? Tu te gares ou comment ça se passe, mon coco? Non, tu te fous là? Ok, bah, fais-toi plaisir. Ah non, t'habites là? Est-ce que t'as une Neo Geo en boîte, ma cocotte? Merde, elle m'a regardé d'un air menaçant. Oh, il y a carrément un chat sur le... Vous le voyez pas? Ouais, vous le voyez. Coco, mon chacha. Je veux pas te faire chier, ok? Hein? Prends ta pause au soleil, hein, comme Jennifer. 6h24. Bonjour, c'est 1€, c'est ça? 1€, s'il vous plaît. Tenez. Merci beaucoup, je vous donne un billet. Bon, il fait beau, oui, c'est le principal. Oui, c'est mieux qu'il y a 2 ans. Oui, avec la pluie et tout. Je vais voir s'il y a un peu de monde. Je pense qu'il doit y avoir peut-être 2-3 exposants, pas plus. En tout cas, très beau. Très belle, je veux dire. Là, en fait, on est là et je pense qu'il y a 2 exposants, quoi. C'est ça, il y a que 2 exposants. Oh putain. J'ai tapé dans le mille gros. En fait, j'y vais toujours très tôt. Et nique ta mère la... Voilà. Priorité à droite. Voilà, il y a rien, il y a que dalle. Je me lève toujours très tôt. Alors voilà, les vide-greniers ne sont même pas ouverts. Et le meilleur fail vide-grenier est attribué à Polo Débile pour son live vide-grenier du dimanche 19 juin. Ah, malheureusement, je crois que nous avons un problème de micro, cher Polo Débile. C'est bien dommage. En tout cas, bravo pour ce Oscar. Merci, merci vraiment, merci. C'est quelque chose vraiment qui me tient à cœur. Bonjour à toi, merci. Je t'aime. Tout à l'heure, ami. Salut. Voilà, merci à tous. Merci. Le mec était vraiment à poil, gros. Enfin, à poil, il était en torse nu, quoi. Ah, le deuxième en 2 vide-greniers. Bon, il y a un petit peu de monde. Il y a déjà des... Bah, il y a Dany, en fait. Il y a Dany. Je vois Dany. Bon, je vais quand même y aller. Oh, eh, franchement, j'étais partout. Laisse tomber, je me lève trop tôt, gros. T'es beau gosse. Je suis un enfoiré, gros. Toi qui fais plus le full set. Enfin, c'est cool qu'il est pas sur PS4 celui-là. Ah là, c'est... Même jusqu'ici, on est envahi par l'OMA. Ça va, c'est en bon état.
Je l'ai pas, donc je crois pas que je l'ai, donc... Je sais pas, mais... C'est toi qui as demandé en premier, donc après... Et quoi, tu le prends ou tu le prends pas? Ah vas-y, prends-le. Bon bah je vais le prendre. C'est pas l'autre qui faisait une collection Léa Passion? De cases? Ouais. De cases, hein. Ouais, ah ouais. Donc 80 en particulier, ça passe plus. Avec le jeu tout pourri FIFA 14. Ouais, celui-là, à mon avis, il va rester là longtemps. Pourquoi? Ça a été sur PlayStation 2, il est un peu plus cher, mais... Et les jeux de Xbox One, vous les faites à combien? Il y en a un qui est plus cher. Parce qu'il y en a un qui... Celui-là qui est plus cher, je pense. Oui, il m'a dit 5 euros, je crois. Ouais. Je sais plus combien il m'a dit. Parce qu'en plus, on l'a payé dans les 50 euros il n'y a pas longtemps, celui-ci. Bien, attends, je repars avec ça, moi. Je crois qu'il était tout pourri. Oui, non, mais il est vraiment tout pourri, c'est pour ça. T'as qu'à les foutre n'importe comment et tu verras. Bon les petits loups, écoute, fin du vide grenier. On a trouvé une trouvaille, mais une bonne petite trouvaille quand même. Vous l'avez vu hein, dans le live, où j'ai laissé la place à Dany. Dany a hésité et bah malheureusement je pense que ça le fait chier quand même. Je pense et voilà, et ça me fait chier que ça le fait chier. Maintenant c'est vrai que je l'ai pas dans la collection le petit Pokémon et là en fait on va se diriger sur un vide-grenier perdu en pleine campagne. Mais quand je te dis en pleine campagne, c'est vraiment en pleine campagne mon frère. Je sais même pas où il est déjà. C'est un village. Si je me rappelle réellement, si je me rappelle, il y a de ça deux ans ça date, 2014 donc, j'avais trouvé un lot de GameCube. Et je crois que j'en avais envoyé pas mal à une personne qui est de Marseille dans ce lot là. En fait à l'époque je faisais pas encore le full set et j'en avais pris vraiment pour cette personne là parce que voilà, bon bref. Et si je me trompe pas, ça doit être dans ce petit village de merde où t'as trois exposants quoi. Bon les petits loups, on est arrivé et franchement waouh, c'est hyper beau. Donc on va aller se garer et bah y a déjà pas mal de monde, c'est cool ça. On va aller se trouver un petit parking tranquillou. Et c'est bien où je me suis dit les amis hein, c'est bien là où j'avais trouvé le lot GameCube. Il y a déjà un petit peu de monde là comme on peut voir. Waouh putain, mais c'est vraiment très beau ici. Si tu veux, si ça n'a pas été ratissé, c'est dans ce genre de village là où c'est vraiment paumé, tu vois. Mais quand je te dis paumé, c'est vraiment paumé. Que tu peux trouver un petit peu de rétro. Waouh, putain elle est belle. Ah oui, que les jeux, voilà. J'ai que les jeux d'Atari, c'est jeune. Les vieux jeux. Les Atari, vieux. Sega et tous les vieux jeux. Saga Africa. Saga Africa, Yannick Noah. Ah oui. 84. Ah bon. C'est payant ou pas ou c'est gratuit? C'est gratuit. Ah bah c'est super. C'est rare, c'est très rare. Ah bah ça c'est cool ça. Pardon. Qu'est-ce que ça là? Ah bah non, je les ai pas. Regarde dans le sac. T'as pas un euro, Audrey? Deux cents. Attends, je vais les épouser. Et le tout pour une démission. Bonjour. 26 en tout. Bonjour. Bonjour. Ouais, bonjour. Ouais, monsieur. C'est combien? 5 euros. Ok, bah je vais vous la prendre. Euro, là, ah, ça y est, c'est 5 euros, ça y est, c'est pour elle, hein, ça y est. Mais garde-le le billet, garde-le. Bon, ça sera pour offrir, allez vous. Oh le toutou. Coucou le toutou. Le toutou là et le toutou là. Est-ce que... Toi, bizarrement, je te sens pas. Toi, je te sens pas. Coucou toi. Ça va? Ça va? Non, je te sens pas. Tu remues la queue, mais je pense que tu veux juste bouffer le chien là, non?
c'est ma voiture à moi. Celle-là hein. Faut pas y toucher. Hein. Ah bon? C'est une très belle voiture. Dacia, j'aime bien. Je vous la vends? Non. Ça suffira pas, c'est trop grand pour moi. Ah bon? C'est trop grand. Mais non. Je veux avoir une petite voiture, moi. Bah, on met des choses dedans. Vous partez en vacances? Je pars pas en vacances, je suis pauvre, monsieur. Comme moi. Ah bah voilà. Mais vous avez une belle voiture, moi non. Dans les vide-greniers, c'est ça ce que j'aime. L'ambiance comme ça dans les petits villages. C'est ça que je kiffe en fait. Tu parles à tout le monde, tu les tutoies, t'en bats les couilles. La petite bête va pas manger la grosse. Je dis pas que t'es grosse, attention. Ouais, 15 euros le tout. Bon, je vais vous le prendre. Hop. Eh bien, what's up les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, on se retrouve aujourd'hui pour le compte-rendu. Donc, bah voilà, allez, salut. Donc les amis, j'espère que ce live vous a plu, franchement j'ai mis plus de 4 heures à faire ce putain de live de merde, à choisir les musiques, à vraiment essayer de créer une petite ambiance. Je trouve changé par rapport aux autres lives, déjà je remercie énormément Future Project, qui est la personne qui a fait les musiques. Vraiment, vraiment de super musique, franchement je kiffe. Pour la petite histoire de Future Project, Annie utilise ses musiques et Future Project est venu sur un de mes lives sur Polo 76 et m'a dit bah Polo, si tu veux tu peux prendre mes musiques. J'ai dit bah ouais, mais les musiques ils me disent quelque chose quand même. Effectivement c'est une personne qui fait aussi des musiques, enfin Anil Vlog. Récupère aussi ses musiques à lui. Donc merci à toi Futur. Je fais un petit peu de pub, c'est toujours sympathique. On va commencer avec quoi? Parce que réellement je pensais que j'aurais pu faire un fail sur ce vide-grenier, sur ces vide-greniers là. Parce qu'en fait je me réveille toujours plus tôt qu'il ne faut. Et à chaque fois quand j'arrive dans un vide-grenier, bah il est jamais ouvert. Écoutez, on va vous montrer directement la perle. Après c'est de la merde. On va vous montrer parce qu'il y en a qui gardent la perle après, juste pour vous faire tenir en haleine. Voilà. La petite perle, c'est ceci, le Pokémon Verfeuille, version Verfeuille, dans un état magnifique. Réellement, l'état est magnifique, j'ai payé 20 euros. J'ai les bleus, j'ai les rouges, j'ai les jaunes, j'ai Pokémon Pinball et tout, mais j'ai pas le Verfeuille et je trouve ça vraiment pas cher du tout. Et je suis assez content, franchement, voilà, content, tout est complet, tout est propre, tout est beau, tout est magnifique. La petite Game Boy que vous avez vue dans le dernier vide-grenier, dans le... Fais-moi le focus, il veut pas faire... On s'en bat les couilles. Dans le dernier vide-grenier, dans un village, avec le Super Mario Land. Bon, voilà, après, c'est pas un truc complètement what the fuck, hein, voilà, c'est du classique. Payer 5 euros non négocié parce que d'une c'était pour une petite et de deux parce que 5 balles pour une Game Boy je trouve pas ça cher. Le vide-grenier n'a pas été radissé mais il n'y avait pas des choses complètement folles. La Game Boy sera sûrement nettoyée et sûrement donnée à je sais pas qui, on verra. Et un lot de PS1 payé 15 balles, toujours pas négocié. C'est vrai que je négocie je négocie plus réellement, ça fait depuis quelques mois que je négocie plus. Hop. La petite, putain, elle s'est ouverte toute seule. La petite PS1 qui va être donnée à Cyril, bien sûr, hein, coucou mon Cyril. Super manette non officielle,
Et attention, manette collector, et ça Cyril tu l'as pas et je suis content de te la donner. Magnifique, et franchement je pèse mes mots, cette magnifique manette aux couleurs World Cup, Coupe du Monde 2002. Bah écoutez, franchement je suis content de la posséder et de la donner tout de suite après à Cyril. Non Cyril, franchement, à vaut de l'or, à vaut de l'or. Austin Power Pinball. Bah c'est Austin Power et qui fait du pinball. Non mais voilà, je crois qu'il manque la notice, ouais il manque la notice. On s'en fout, Cyril achète de la merde. Alors là, un quack attack. Mais dedans c'est Baby Felix Tennis, on va y arriver. Voilà. On a quoi d'autre? Un Verali 2 en best-of, je suis pas sûr que Cyril le veuille. On a un Extreme Ghostbusters Ultimate Invasion. Alors réellement celui-là je l'ai essayé, je le trouve pas très bien. Franchement je le trouve même à chier. Maniabilité vraiment à chier, franchement voilà. On a Incredible Crisis, je ne connais pas du tout, mais Cyril le connaît si je me trompe pas. Il m'a parlé d'hôpital, de je sais pas quoi. Je lui ai fait confiance, j'ai vu une ambulance derrière, je lui ai dit écoute ma couille, t'as raison, c'est de l'hôpital, c'est je sais pas ce que c'est, mais je sais pas, réellement je sais pas du tout ce que j'ai, c'est un jeu complètement délirant. Si Cyril tu l'as, dis-le moi, comme ça je vais peut-être le garder. Parce que je vois en fait c'est 24 jeux uniques et délirants sur un seul CD. Ça peut être marrant de faire peut-être un petit gameplay dessus. Surtout quand tu vois la gueule du truc, complètement what the fuck, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Il y avait un petit Rayman de classique, un petit E.T. dans une boîte dédicace à Yonzio, je sais pas s'il passera par là. Verbatine, ah, c'est tellement fou que c'est tellement de la merde les verbatines. Donc voilà, un petit E.T. On avait quoi d'autre? Un petit Scooby-Doo. Donc un petit Scooby-Doo. Et pour finir, un Gunfighter que j'ai essayé. Alors graphiquement, putain attends, je vais remettre la jaquette, je vais tout remettre. Graphiquement, il est à chier, mais réellement, ça va tellement vite que tu t'en bats les couilles du graphisme. Mais c'est vrai que c'est fun, c'est marrant, voilà, tu défonces tout le monde, t'essayes de combattre pour récupérer ta petite amie et tout. Enfin, moi, j'ai fait que le début, donc c'était marqué ça. Mais voilà, graphiquement, je le trouve pas très très beau. Mais après, c'est en fait tellement que ça va vite, tellement... Comparé à... Celui-là est très très lent. Le Ghostbuster est très très lent comparé à Gunfighter qui est un peu plus rapide. Ce qui fait que celui-là, tu t'attardes plus sur les graphismes et tout. Et tu vois qu'en fait, bah, il est pourri, la maniabilité est pourrie et tout et tout. Comparé. Alors, je sais pas quand est sorti l'un et l'autre. Je vais dire des bêtises, donc je vais fermer ma gueule. 2001-2002. Pourtant, celui-là est plus jeune. Mais graphiquement, certes, il est pas meilleur. Mais c'est du fun, c'est vraiment un jeu où en fait tu t'en bats les couilles du graphisme parce que t'es carrément dedans quoi, ça va vite et tout comparé à celui-là qui il va tellement lent, c'est tellement lent que ouais c'est lent en fait. C'est le même style de jeu hein, mais celui-là le Gunfighter est largement meilleur. Donc bah voilà, payez le tout 15 balles. Bah écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pas trouvé grand chose, mais c'est vrai que bah je vais pas acheter pour acheter. Donc bah voilà, là j'ai acheté pour Cyril, hein, écoute, voilà. La petite Game Boy pour offrir et puis ce que je suis content c'est vraiment celui-là. Donc les amis pour nous c'est terminé, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que le live t'a plu aussi parce que franchement j'en ai chié. Comparé à un compte rendu, tu fais ça en 10 minutes tu vois, hop hop hop. Le live t'en chie un petit peu quand même. C'est pas très difficile mais c'est long. C'est long et dur. Et croquant à la fois. Je parle d'une glace bien sûr. Donc les amis je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Ciao et n'oubliez pas, protégez-vous, ne faites pas l'amour. Sérieux, cette réplique, c'est de la merde, les gars. Eh, les gars, vous voulez que je la change cette... Est-ce que vous voulez que je la ferme ma gueule par rapport à cette réplique de merde? Dites-le en commentaire, les gars. Allez, ciao. Et puis, dites-moi ce que vous en pensez des jeux que j'ai achetés. Tout simple, voilà. Le partage, les gars. Le partage. Boum, boum. Non, il est où le cœur? Attends. Le cœur, il est là, comme ça. Le partage. Le partage. Collection, partage. Abonnez-vous, je donne de l'argent, 50 euros, attends, il est où le 50, 50 euros par abonnation, abomination. Allez, ciao les amis, portez-vous bien, et ne faites pas l'amour, protégez-vous.